Bonjour, ici Brother Fishing. Donc, me voici pour pêcher au lac du Gédo pour le troisième jour d'affilée au matin. Donc, aujourd'hui, je suis pas seul. Maxence est venu m'accompagner. Maxence va pêcher au cou. Donc, moi, j'ai pêché au fileur et méthode fileur. La même stratégie de pêche que hier. Donc, d'abord, je peux vous expliquer Maxence. Maxence, c'est une canne de 9,50 m. Donc une canne de 9,50 m avec un bouchon, ton flotteur soit du 0,50. 0,50, hameçon de 16 ou 18. Hameçon de 16, donc dessus il va pêcher au pinky. Donc son amorce c'est de la 4x4 avec un boost fraise dedans. Donc voilà, donc Maxence pour l'instant il a encore rien fait, il a pas eu encore de touche. Donc on vient d'arriver il y a une vingtaine de minutes, hein. Donc cette canne-ci, une canne filler, une cage de 20 grammes, donc c'est de l'amorce 4x4 avec du boost à la fraise. Donc c'est la même. J'ai rajouté du boost à la fraise par rapport aux pêches précédentes pour voir si ça allait marcher. Donc voilà. Donc la canne orange, elle m'a déjà fait un poisson, une brème ouais, de 200 grammes, donc prise au pinky rouge. Donc voilà, la deuxième méthode filaire, Preston, 30 grammes. Donc pareil, avec un peu les fiches fraises. Donc voilà, et la troisième, c'est la même qu'elle du milieu, méthode filaire Preston en 30 grammes avec un fiche. Donc voilà. Donc on prendra plusieurs vidéos au cours de la pêche pour vous faire voir nos résultats. Pas sur le téléphone. Donc voilà, j'ai eu un beau départ. Donc c'est un beau poisson, on sait pas ce que c'est encore. Ouh, c'est une belle planche. Malheureusement, je pense que je la reconnais, même pas. Je sais pas. Une super planche. Ouh, elle fait plus de 3 kilos. Oh, ouais, là, ouais. Donc, on va le poser sur le tapis. Bouge ton un bout de canne, s'il te plaît. Merci, Maxence. Oh, elle est super belle. Elle est magnifique. Donc, voilà. Donc, deuxième gros poisson pour moi. Donc voilà, donc tout à l'heure Maxence a cassé sur une carpe au cou. Donc dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc on se rattrape avec une belle tanche. C'est la vidéo. Je suis à bord de celui-ci. Donc voilà, encore un beau départ. Je sais pas c'est quoi. Un beau. Ouais, déjà ouais. Alors. Oh, c'est quand même costaud. Hein. C'est quand même costaud. Une belle brème encore. Ouais. Donc voilà, on va sortir les poissons que j'ai fait. Dont deux à moi. Deux petits, ça fait même pas 50 grammes. Donc vous voyez déjà, fait une belle bourriche. Ça fait plaisir. Il y a vraiment du poids dedans. C'est vraiment énorme comme bourriche. Pour vous montrer un peu. Là, elle s'est fait défoncer. Elle pisse le sang. Vous voyez, donc une très belle pêche aujourd'hui. Une très belle tanche, comme vous voyez. Ah, elle est abîmée, la brème. Elle était déjà abîmée quand on l'a fait. Donc, carassin, la petite brème, la brème, tanche, carassin, perche. Donc voilà, donc on va peser tout ça après en vidéo. Donc voilà, maintenant on va faire des photos. Donc voilà, on va peser les prises. Tiens, prends le téléphone, Maxence. Filme bien, tu
filmera l'aiguille après. Donc vraiment énormément de poissons. 9 kg de poissons. Donc voilà, 9 kg. Donc voilà. Donc une bonne pêche, une bonne réussite pour la pêche d'aujourd'hui. Donc voilà. En remontant, j'ai eu encore un petit gardon. Bon, il doit bien faire 500 grammes. Donc voilà, ça fait 9,5 kg de poisson. Donc voilà, là on remballe. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt sur Brother Fishing.